à tous et dans cette nouvelle vidéo de Gameki. Et on se retrouve aujourd'hui les gens à Universal Studio Japan, Universal. Donc à Osaka. En tout cas, vous n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces dans les commentaires. Carrément. Et donc on va vous montrer un peu la différence aussi entre Osaka et Hollywood qu'on a fait il y a 3 mois à peu près. Oui, alors on a déjà fait quelques attractions parce qu'il faut les faire dès qu'on arrive, donc on a profité pour faire ça au début. Il y a pas mal de monde, mais là on va voir quand même Poudlard les gens, parce que je pense que c'est un truc qui vous plaît, donc on va vous montrer le château de plein pied, magnifique et exceptionnel. Parce qu'il y a une position différente qu'à Hollywood, donc on peut mieux le voir et mieux prendre des photos du coup. Voilà, on vous montre tout ça. Premier truc, c'est la voiture d'Harry Potter. On arrive à Pre-Ola. Voilà, magnifique les gens. Regardez, c'est la boutique de Fred et Georges. Ouais. C'est joli hein, avec les trucs et tout, avec les grandes oreilles écouteurs. Mais oui, c'est la même boutique que ce qu'on a vu à Hollywood. Mais bon, mais ça, oui, c'est la même chose, mais bien, voilà. C'est différent. Il y a le Poudlard Express juste là avec Kim devant. Les boîtes de chocolat avec la grenouille. Avec la grenouille au chocolat. Godric Gryffondor, Ravenclaw, Terre d'Aigle, Albus Dumbledore, Salazar Salpantard et Elga Poussoufle. Les baguettes d'Ollivander. Alors, laquelle sera ta baguette? Ben, j'aime bien celle d'Hermione, et c'est Hermione, ouais. Je crois celle-ci. Hein, je crois aussi, ouais. Pas. Harry Potter, et la baguette d'Harry Potter. Forcément. Welcome to Poudlard. C'est trop stylé, on le voit encore mieux qu'à Hollywood. Yeah! Ah non! C'est trop petit. C'est qu'elle a le bras trop court, Kim, c'est pour ça, regardez. Voilà. C'est mieux, coucou! Poudlard! C'est magnifique quand même. C'est super stylé. Il y a un point, donc là derrière, c'est Pre-Ola. Voilà, donc magnifique Pre-Ola. Et en fait, il y a de l'eau. Et il y a un petit coin comme ça où tout le monde se prend en photo. C'est ça. Devant Poudlard. Magnifique. Avec l'entrée, les gens, regardez comment c'est beau. Donc en fait, il est vachement plus proche que celui de Hollywood. Ouais, parce qu'en fait, l'attraction est carrément dedans. Dans, là, on va dans le château alors c'est que. Ça. Et regardez, c'est celui devant. Voilà, avec ça. Regardez. On va vous montrer quand même ce qu'on a fait. En fait, à un moment, on était assez inscrit, donc on vous montrera ça en vidéo. Et. Et en fait, il y a quelqu'un qui nous a alpagué en disant « Ah, mais venez, venez !» C'était un truc Hello Kitty. Et c'était pour se prendre en photo. Et du coup, on a des photos avec Hello Kitty. Regardez Guillaume. Je suis mignon. C'est le moment le plus gênant de notre vie. Oui, c'était très bizarre en fait. Le problème, c'est que il y avait personne et on a fait genre... en fait, on a croisé 5-6 personnes qui disaient « Ouais, regardez ma masse !» Et puis en fait, elle nous expliquait tout et tout en japonais. Et là, on était là, on disait ah. Et puis voilà, et puis on a pris avec Hello Kitty qui nous parlait en japonais. Ils nous ont dit, alors quand on vous dit hello, vous répondez Kitty. Et du coup on faisait hello Kitty. Et on avait, mon dieu, malaise. On a failli mourir de malaise dans l'attraction. Mais on a des belles photos. On a des belles photos. Poudlard quand même les gens. Poudlard, et donc on va vous montrer le reste d'Universal. On va aussi accessoirement aller manger. On va voir Poudlard quand même parce que c'est quand même assez impressionnant. Il est quand même assez impressionnant, ouais. Bah, celui-ci et celui aussi de Hollywood. Hein, oui. Parce que, du coup, et puis vous avez la vraie maquette aussi qui se trouve à Londres, oui, du tour de Londres. Qui est une grosse maquette, donc qui est beaucoup plus petite, mais c'est quand même impressionnant. Bah, c'est ce qu'il a utilisé pour les films. Oui, mais c'est plus petit. Regardez les gens. C'est une petite. C'est une mini écharpe d'Harry Potter. Regardez, une mini robe de sorcier. Et regardez, ouais, c'est trop bien, leur merchandising est vachement bien. Les gens, le merchandising japonais est qualitativement parlant supérieur à tout le merchandising de n'importe quelle part. Parce qu'en fait, on a fait aussi le Tokyo Disney Sea, comme vous le savez. Niveau merchandising, mais il n'y a pas mieux quoi. En fait, ils font du merchandising de malade et c'est ça. Bah c'est incroyable quoi. Et là, on est dans la partie San Francisco. Donc voilà, donc on a une petite vue. Bah d'ailleurs là-bas il y a un méga truc de looping de la mort les gens, c'est horrible. C'est genre en fait le vol du Velociraptor. Et en fait t'es pendu dans le vide. Ah, t'es comme ça. C'est horrible. Vas-y, fais le dinosaure. Ah ouais, vachement bien. Et donc là, on est à Manhattan, New York. On va montrer un peu les rues. Mais New York, et là, c'est San Francisco avec la baie de San Francisco. Ouais. Alors, il peut pas avoir ça Universal Hollywood, hein. C'est chez eux. Donc, c'est sûr. Et du coup, c'est très joli. Donc, on va se balader un peu. On va aller voir la maison des mignons. La maison de Gru. Oui, la maison des mignons, parce qu'il y a plein de merchandising des mignons. Alors, en tout cas, on a de la chance parce qu'il fait beau temps. Il fait très très beau, ouais. On a fait 3 attractions. On a fait Jurassic Park, on n'avait pas pu faire à Hollywood parce que c'était fermé et c'était vraiment très bien. Sympa. On a fait aussi The Amazing Spider-Man en 4D, 3D, en 4K 3D. C'est vraiment bien. C'est vraiment. Bah, elle fait partie de la top 3 des meilleures attractions qu'on ait fait de tous les temps, de toutes les. Ouais, c'est vraiment très très bon. Les sensations sont bien et tout. Et Waterworld, c'est un show. Spectacle, mais digne d'un film d'Hollywood. Il y a de l'acting, il y a des explosions. Un truc de malade. C'est assez ouf, ouais.
Ah mon dieu. Tu peux faire sing in the rain, mais par contre sing in the rain, mais il n'y a pas de pluie, donc ça marche pas. Et donc voilà, des grands bâtiments de Manhattan un petit peu. C'est assez joli, c'est bien fait, c'est des décors, mais c'est très mignon. Banana, banana, regardez les gens. On est au parc des mignons. Donc tout est mignon. Et normalement, qu'est-ce qu'il y a avec les mignons? Il y a la maison de Gru. Il y a la maison de Gru. Et voici la maison de Gru, les gens, avec sa grosse véhicule, sa grosse voiture, j'allais dire. Sa grosse voiture. Donc on va aller faire. En fait, ça remplace un peu le royaume des Simpsons à Hollywood. Oui, c'est ça. C'est vraiment le royaume des mignons. Voilà. Des mignons, et parce qu'ils sont très fans des mignons, les Japonais, et il y a du merchandising. On avait fait déjà fait à Hollywood. On la refera parce que là, il y a une petite une heure et demie de queue, donc voilà. Voilà, c'est ça. Il y a moins de monde à Hollywood donc, pour les mignons. Dedans. Non, c'est oui, c'est l'orphelinat des sœurs. Voilà, c'est ça, l'orphelinat des sœurs. Il y a même une boutique avec la licorne. La licorne, oui, il y a une fluffy chop, et en fait, c'est que des licornes et des licornes. Licorne, voilà. Je crois qu'on a trouvé le meilleur chapeau. Attendez, du. Un autre. Par la banane. Il est trop mignon, hein. Et donc derrière, mignon. Et en fait, c'est là où vous vous dites, en France, ça n'a pas marché autant qu'en Asie. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Papuche. On est au Happiness Café. Et on fait la queue pour un truc qui est trop stylé. Et sur la pancarte, je vais vous le montrer quand même. Tu fais la queue. Donc il y a un peu d'attente. Hein? Mais c'est assez stylé, regardez-moi ça les gens. C'est un burger mignon. Alors c'est vraiment mignon. Mais regardez, ça c'est le pain et puis là à l'intérieur. Donc on va voir si ça ressemble à la photo. Montre-nous ton déjeuner de ce midi. Alors, je suis en train de prendre la sauce à l'oignon. Vas-y. Et ouais, je la mets là-dedans. On a une petite salade, voilà. Mignonne. Ça c'est l'entrée. Voilà. Non, donc après il faut le et après. Oh, j'ai tout spoilé. Voilà. Dans une assiette mignon, attends. Dans une assiette mignon. Un burger mignon, donc ça ressemble un peu à la photo, puisque dans la photo il y avait des légumes, regardez. Il y a des concombres, il y a un peu tout. Voilà, donc on check. Et puis ben là, on a le petit pain qui est un peu mou. Un peu mou. Et en dessous, un burger qui est assez gros quand même. Voilà, c'est ça. Donc on vous dira notre ressenti. On vous dira le goût juste après. Mais ça a l'air mignon. Voilà, mignon. C'est le mot de la fin. On a bien mangé. Ouais, on a trop mangé, mais c'était très bon. C'est un peu bizarre, c'est pas vraiment des burgers. Non, c'est moitié mélange de légumes et burgers. Mais c'est très bon. Et maintenant, on va vous montrer la côté. Kitty. Non, oui. Hello Kitty et Sesame Street. C'est les gens, vous allez voir, c'est marrant. On n'a pas la classe comme ça, les gens. On a trouvé un mignon. Il me manque là. Il me manque le doudou. Ah oui, j'ai. Tu pourras acheter le doudou avec, comme ça, c'est bon. Il y en a une qui vole. Ah, Narcissa Malfoy. Regarde, il y en a une qui vole. Elle vient à toi. Serious Snape. Ouais. Moi je préfère ça parce que les mecs ils sont moins connus et ils sont tout aussi belles. Hein. Narcissa Malfoy. Je me souviens Narcissa Malfoy, maintenant plus je me souviens. Ah oui, c'est vrai qu'elle est stylée celle-ci. Ah elle est belle. Elle est très jolie. Ah, elle est super belle. Elle ressemble un peu à celle de Lucius mais sans les petits points. Oui, c'est ça. Et donc nous on a trouvé des petits trucs à acheter. Genre. Ouais, on a acheté. On va prendre ça pour l'instant. Donc c'est des mini baguettes en métal. Ça c'est des mini baguettes en métal aléatoires. Ça c'est des pins aléatoires. On les voit derrière. Et ça, c'est le Magic Obus. Mais en version Tomica, donc les modèles réduits japonais, et c'est très stylé. Et donc, on va finir notre petit tour d'achat. Oui. On arrive au pays de Wonderland. J'écoute de la musique, moi. Et donc là, il y a du Snoopy, il y a du Sesame Street, il y a du Wonderland. Hello Kitty, regardez. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty everywhere. Regardez, on a acheté une Hello Kitty qui est très classe. Ouais, très, très on a classe. Acheté une Hello Kitty Street. Pour la collection de Kim, regardez comment elle est belle. C'est, comme dirait Guillaume, c'est Hello Kitty en wesh. Non, mais regardez, le tag il est elle très est joli. Ouais. Marc Large, en fait, c'est une collaboration. C'est ça. Et en fait, c'est en mode street. Et la couleur, du coup, elle est pas blanche. Elle est un peu grise. Un peu grisâtre. Comme ton manteau. Jolie. Comme mon manteau, voilà. Au pays de Snoopy, on mange des frites et des glaces. Et des glaces. Et oui, un os. Et des os. Bah oui, c'est un chien. Donc nous, on a mangé chez les mignons et on aurait pu manger chez Snoopy. Oui, mais c'était mieux les mignons. Les mignons. Et on peut même voler avec Snoopy. Voilà. Donc à Disney, on peut voler avec Dumbo. Ici, on peut voler avec Snoopy. Ah oui.
oui, c'est l'attraction Hello Kitty, c'est les cupcakes. Vraiment le coin plus enfantin, c'est-à-dire il y a des petits cupcakes, il y a des Snoopy volants, il y a Elmo. Un carousel, il y a un Elmo, enfin vraiment c'est plus pour les vraiment tout petits que pour les adultes. Je pense qu'on a fini notre journée, on a fait quand même pas mal d'attractions. Après, ouais. C'est vrai qu'on s'est pas rushé sur l'attraction vu qu'on en connaît quelques-unes par rapport à Hollywood. Mais c'est cool. Bah, par exemple, on est devant le château Poudlard. Nous, on est très contents de le revoir. Ouais. Là, ça va, il y a une heure d'attente. En vrai, c'est pas beaucoup. Parce que ça c'est va. Quand même un parc d'attractions qui est quand même bien blindé. Bah, si vous voyez quelques avis sur TripAdvisor, il y a des gens qui ont des photos avec des 400 minutes d'attente et tout. Donc, franchement, oui, on a voilà. Fait une, donc, franchement, on a eu de la chance. Il n'y a pas trop de gens. C'était assez tranquille. Et en fait, ce qu'on voulait vous montrer avant de partir, c'est ça en face. C'est Nintendo. Les gens. En fait, ce que vous voyez derrière les grilles, en fait, ça a l'air immense. Et donc tout ça derrière, c'est en construction. Et ben qu'est-ce que c'est? C'est le futur parc Nintendo. Donc à Universal, comme vous le savez, ils vont faire un parc Nintendo. Que ce soit Orlando, que ce soit Hollywood et que ce soit ici, et il y aura peut-être Singapour. Je crois que c'est déjà Orlando, Hollywood, Hollywood et Osaka, et du coup ça va être le futur parc Nintendo, et ça va être énorme. Honnêtement, il y a plein de spéculations dessus sur savoir s'il va y avoir des Mario Kart Rider, des trucs en VR ou des trucs en 4D, on sait pas trop. Et en vrai, les gens, dès qu'on aura la possibilité de vous partager ça avec vous, et si on a le temps de pouvoir y aller, et ben on vous fera. C'est en 2020, et dès qu'ils diront quand est-ce que ça ouvrira, franchement on ira vous faire une vidéo dessus. C'est obligé parce que ça laisse tellement de spéculations. Comment ça va être, qu'est-ce qu'il va y avoir, les décors, qu'est-ce que ça va être, les attractions, le merchandising, qu'est-ce que ça va être, ça va être où. C'est fini. À l'année prochaine Universal pour Nintendo. Par contre, il y a Universal City, c'est un peu comme Disney Village, à Paris. Donc plein de boutiques, et il y a une boutique qui va vous intéresser, on va vous la montrer quand même, c'est le Jump Shop. Ah. Regardez, avec Luffy, avec son bateau et son équipage. Ah non, en plus non, c'est parce que c'est Gintama derrière. Naruto, et puis là il y a le Jump Shop. Donc on va rentrer dedans les gens. Et donc forcément, Luffy. One Piece, donc des personnages emblématiques de One Piece, d'ailleurs qu'on voit moins souvent, trop mignon. Et puis, Trafalgar Law. Vas-y, t'es avec Naruto et Luffy. Donc One Piece. Après c'est d'autres mangas. Alors qu'est-ce que c'est ici? Alors on n'est pas pro de tous les mangas qui existent, surtout de ceux du Jump. Oh, c'est ce qu'on cherchait. Oui, mais c'est d'autres. Alors pour ceux qui nous suivent, c'est notre collection. Vous savez qu'on a ouvert ça dans les Neon Box. Et donc c'est des sortes de Tsum Tsum et des héros de manga. Ouais, mais c'est pas la bonne collection. Non, il y a Vegeta en haut. Et forcément, My Hero Academia avec carrément le t-shirt de l'école de UA, Todoroki, et puis tous les personnages de leur petite cup en figurine, des sacs collector. Mais oui, et derrière le t-shirt de UA, le t-shirt de sport, mais oui. C'est génial! C'est pas mal, hein? On va voir si on peut le trouver. Et photo! Donc, il m'a décidé de rabattre son choix sur My Hero Academia. Oh! Alors, qui est-ce que t'as eu? Oh! C'est qui? Todoroki! C'est notre personnage préféré en fait. Todoroki, il est trop mignon. Il est trop mignon, ouais. On a acheté un gachapon pour finir. Oui. Une gachapon. Non, en tout cas, on espère que ça vous a plu, ce petit tour de Universal Studios Japan. Il y a des machines à frappe peluche. Oui, on ira après. On va finir la vidéo, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Quel est votre univers préféré de cette vidéo que vous avez vu, parce qu'on en avait plein. Oui. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut. Salut.